Toi c'est Coco, Terkel ou quoi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 2 de Top 5 Bannières. Donc je suis désolé d'avance que ça soit encore un Top 5 Bannières qui arrive et que ça soit pas un speed art, mais les speed art vont arriver parce que je suis en vacances vendredi. Du coup voilà, j'ai pas eu le temps de faire des speed art. Donc je voulais vous dire de continuer à envoyer vos bannières parce que c'est cool. Je regarde vos chaînes, je m'abonne à vos chaînes, etc. Donc c'est cool. Et je voulais aussi vous remercier parce qu'on est bientôt 5K et que ça arrive vite. Et voilà. Donc moi je vous dis, j'espère que la vidéo vous plaira et on se retrouve déjà pour la 5ème place. C'est parti! Cinquième position, on retrouve une bannière de Summax, une bannière qu'il a faite pour Ecrisio. La bannière elle est bien, j'aime beaucoup parce que t'as fait ton style, mais le seul truc qui me dérange c'est à la limite les renders, donc surtout celui de droite qui me paraissait un peu bizarre en fait. Et aussi c'était light et les lights et les effets en fait qui sont je trouve un peu mal mis. Mais bon franchement, bonne bannière gros et continue comme ça gros. Quatrième position, hein, ben on se retrouve pour une bannière de la chair et de la tendre Fox Graphics. Une bannière encore de son style que j'aime beaucoup. Donc je sais pas si je la mettrai à chaque fois parce que voilà, ça se répète. Mais bon, franchement là je pouvais que la mettre parce que j'aime beaucoup son nouveau style. Que dire, ben, je sais pas, les effets, peut-être un peu tes contours lumineux qui sont un peu trop élevés, mais bon, c'est ton style. Donc continue, bonne bannière. GG, je t'aime encore. On se retrouve sur une bannière d'Ecrisio. Donc Ecrisio, j'ai eu du mal à te mettre à la troisième place, j'ai hésité. Parce qu'en fait c'était render que je trouvais un peu dommage parce qu'ils voilà je sais pas ils sont. Je sais pas, je les trouvais pas ouf, pas assez expressifs. Et les lights des épées, tu vois, t'aurais pu faire les épées un peu plus éclairées, mais bon après quand je vois le texte, etc. je trouve qu'il est clean. Donc du coup je t'ai mis la troisième position gros. On retrouve une bannière de Fine Rod, donc vous le connaissez, vous allez le connaître, je pense à force. Une bannière clean, C4D clean, Photoshop clean, enfin voilà, rien à dire. Gros GG, juste à la limite peut-être le squelette, ce qui me dérangeait un peu, mais bon, franchement c'était chaud à faire, donc GG, gros tu gères. On se retrouve sur une bannière de Totals. Donc Totals, franchement, il a géré de ouf sa bannière. Les rendus, le CKD, le texte est magnifique. Donc voilà, franchement, tu mérites ta première position, gros, et continue. Et je t'aime, toi aussi.